j'aimais le plus de mes cinq épouses. Elle était si jeune, si belle, si gentille. Ma double réputation d'habile pêcheur et de farouche lutteur lui avait valu l'honneur d'être la femme la plus admirée du village. Jamais elle n'avait manqué de rien, ni d'amour, ni de tendresse, ni de sel pour assaisonner ses mets, ni de savon pour laver son linge. C'était une femme comblée. Mais voilà qu'un jour, Ococo vint me demander la lourde somme de 10 000 francs CFA pour aller s'acheter des pagnes au marché Lagos de Newbel, le grand quartier populaire de la ville de Douala, Cameroun. Le lendemain, c'était le jour du Ngondo, la fête traditionnelle. Ococo était vêtu d'un splendide kaba aux couleurs chatoyantes. Ce vêtement qui rappelle les temps déjà lointains des nègres d'antan. Ces nègres à la peau noire, couleur d'ébène. Ce jour-là, Ococo m'avait préparé un bon plat fumant de ndolé, accompagné d'un paquet de miando, bâton de manioc, et je m'en revêtis d'ombre. 9 jours plus tard, Ococo mourut de suite d'une courte maladie, comme on aime tant à le dire ici chez nous. C'est alors que je me rendis chez l'homme aux quatre yeux, le grand sorcier du village, qui me révéla cette triste et amère vérité. Ococo s'était rendu au marché Lagos de Newbel la veille du Ngondo, non pour s'y acheter des pagnes, mais pour y consulter ces hommes qui vendent la mort et prétendent vendre l'amour. Oh,